Il peut pas monter, il peut pas monter, il peut. Ah, je suis désolé, mais je sais pas ce que je dois faire là. Est-ce que je recommence la mission ou... Mais après, il peut Bon, pas laisse monter tomber, là. c'est bon. En C'est même bon, je temps, suis une grosse bite et puis voilà, ça sert à il rien. peut pas monter en bas. T'es Putain, il a toujours. refusé tous ses potes, hein. T'es toujours dans la mission. Il a appelé tous ses potes. Bordel. Et bah voilà, ils ont appelé du renfort. Super. J'ai vraiment une brêle. Putain, ils sont vraiment. Ah, ils sont vraiment très. Fort pour voir où je suis en fait. Oh merde. Est-ce que j'attends un petit peu que ça se calme? Peut-être le plus simple. Recharger. Recharger une mine. Ah, moi qui voulais la faire en safe, j'ai tout fait pour hein, en plus. Hein. Et là, je monte à peine sur le ponton. Qui arrive encore? Allez, tiens. Voilà. Je sais pas si elle est longue cette mission. Je pense pas. Ah putain, ils sont deux en plus. Appuyez sur touche A pour commencer. S'ils arrivent en bas, je suis mort. Je suis en train de regarder sur mon téléphone. T'inquiète pas, hein, tu peux parler. Hein. Ah mais je te comprends plus pour pas. Non mais si, je suis en train de te regarder sur mon téléphone. En fait, je sais qu'il y a des, je sais qu'il y a des soldats. Si ils sont avec Alan, on en ils est sont avec assez Alan. balèzes. Non, t'as des espèces de soldats, ils mettent des espèces de Mais boucliers on devant eux. me voit, mais à travers les murs, s'il te plaît. T'es en difficulté quoi? Non, c'est normal, je crois. Voir si je peux trouver un autre accès, non? Je sais. De toute façon, ça sert à rien, ils ont déjà appelé du renfort. Allez, on recharge. Par contre, les animations de recharge, elles sont bien stylées. Hein. Me repérer. Non, c'est bon. La musique. Se calme. Tu dois infiltrer l'armurerie. Récupérer. Faut que je récupère des matériaux. Oh putain, la vache! Première mission, hein, déjà. Première mission.
qui devient important. Contre Kira. Allez, coup de machette. Il aura pas. Oh. Ce qui veut dire que tout à l'heure, quand tu auras débloqué le mode coopération, faudrait faire comme ça. Faudrait oui. faire en. Faudrait faire comme ça en. En discrète. D'accord. Ah, mais je te demande pas d'accord. Je te demande si. S'il faut agir comme ça. Ah, parce qu'il y a des missions bah. que j'ai fait avec Alan, moi, on n'a pas fait discrète. Hein. On a passé en temps. Hein. Parce ah, que. Il oui. y a des missions là-dessus, même en discrète. Bah, attends, ça met... J'ai l'impression que c'est pas possible de faire discret parce que les gardes ils sont vraiment. C'est des lapins. Des lapins de Ragnarok, quoi. Mais c'est toi qui veux faire discret, mais discret, il y a un moment donné, la discrétion. Voilà, c'est mort. Ouais, ils m'ont vu. Là, comme tu peux le constater, la discrétion c'est pas. Moi, les seules missions. Moi en solo, les seules missions que j'avais réussi à faire sans me faire repérer, sans faire déclencher l'arme, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça arrive dans tous les sens. Raté. Et encore là, te plains pas parce que t'as pas encore les hélicoptères. On n'est pas encore dehors avec des hélicoptères qui nous envoient des missiles, etc. Mmh. Tu vois quand on sera arrivé là. Ah ouais. Oui. Et puis le crocodile, hein, je veux pas être méchant avec toi, mais le crocodile, moi, personnellement... Moi, je l'aime bien, mon croco. Ouais, pour l'instant, ouais. En plus, il a un beau petit pyjama. Ouais, mais tu vas voir que... C'est bon, j'ai évité la catastrophe, je pense qu'il y a plus bon monde. Tiens, parle pas trop vite, Jérémy. Voilà, il y avait une caméra, je l'ai défoncé. Maintenant, je m'occupe. Et j'étais accroupi, hein. Ils m'ont vu quand même derrière la caisse. Hein. On va désactiver. Ah, on peut plus. J'utilise la clé. Récupère la caisse. Je joue plus rien. T'es en train de faire quoi en attendant? Je te regarde. Ah, tu me regardes jouer? Cool. Merci. Ça te rappelle des souvenirs des vues du jeu. Oh, je me rappelle pas de tout, hein. Je dis. Ouais. Il lui a raccroché au nez. Ah, bravo. Ah. C'est que dire que ce jeu-là, il y a plein qui le critiquent. Et il critique, et puis en plus, il critique pas aujourd'hui, bon, putain. T'en as, il disait, ouais, le scénario c'est de la merde, je préfère le 3, etc. Ouais. Ouais. Il y en a beaucoup. Il a bien vieilli aussi. Hein. Il y en a beaucoup, ils préfèrent le 3 que le 6. Même il y en a même qui vont même préférer le 5. Ah voilà. Après, que ce soit le 5 ou le 6, pour moi, c'est pas kiff-kiff, mais bon, c'est.
C'est pas les mêmes, pas le même environnement, pas le même. C'est pas pareil, quoi. On va dire que le 5, c'était plus dans la Cambrousse, dans la campagne américaine. Oui. C'était plus dans la campagne américaine, quoi. Et là, c'est à Cuba, c'est autre chose. Voilà. C'est bien fait aussi le système des armes. Des armes qui s'enrayent comme ça, c'est qui surchauffent. Après, le 3, graphiquement, il a pris une claque quand même. Hein. Il reste très beau quand même, mais... Là, raté. C'est quand tu joueras à des jeux, quand tu joueras à des jeux sur. Si t'as envie de jouer à des jeux, à des vieux jeux Xbox sur la série X, tu verras. Bon, ça va pas faire grand changement, mais tu verras quand même que c'est un peu plus beau que. C'est un peu plus beau, bon, c'est pas non plus. Ah ouais, cool, j'adore. Ça peut être pas. Le temps de chargement de... Oui, ça pique pas les yeux, ça pique pas, ça pique pas, comment dire, ça, pas non plus, waouh, c'est génial, c'est un peu plus beau, c'est un peu plus fluide, on va dire, un petit peu, mais pas non plus. Ok. Mais moi, comme je t'ai dit, hein, quand tu fais de la coop, tu peux vraiment. Bah, toi qui es comme moi, qui es partout, ouais. Tu verras la carte, elle est. Enfin, il y a plein de. Elle y a est plein immense. De... Oui, elle est immense, et puis il y a plein d'activités à faire. Il y a des. Comment dire. Des machins roses, des. Une espèce de diamant rose là, qu'il faut faire. C'est une espèce de mini quête annexe que moi je te fais. T'as ça, bon, ça, t'as des. Ouais, en fait, ce que fait. En fait, ce que fait Alan quand on a prévu de jouer au jeu, en fait, ce qu'il fait lui, c'est que avant qu'on joue avec lui, il libère des camps, il libère des. Enfin, il détruit toutes les. Ils m'ont expliqué dans le jeu. En fait, il faut tout éliminer les. Espèces de. C'est de. Qu'on appelle ça. Les missiles solaires, c'est étoiles. C'est étoiles qui t'empêchent de voler dans le ciel. Là. Et en fait, quand tu fais ça, ça fait comme une sorte de truc pour te téléporter. C'est ce que fait Alan, en fait. Oui. En fait, c'est ce que fait Alan. D'accord. Alan, il fait tout ça. Il fait un petit peu la map comme ça et il est tranquille. Et si jamais il y a un problème et technique, quand tu dois faire, quand tu dois faire des kilomètres, parce que des fois, faut aller à des kilomètres. Bah, au lieu de le faire à pied ou en mode machin, il se téléporte. Enfin, il nous téléporte. Moi je fais oui sur mon truc parce que j'ai un petit message qui me dit déporter et comme ça on se rapproche. D'accord. Cool. Parce que moi si je t'invite moi sur ma partie, si je t'invite moi sur ma partie, c'est pas marrant parce que j'ai tout fait. Donc c'est marrant. C'est... Ouais. Tout. Ah bah et tout. Toute la carte est. Moi quand j'ai joué à Far Cry 6, j'ai pris le temps, mais j'ai fait toute la carte. Il y a aucune carte qui est en gris, hein. Aucune. Il n'y a aucune partie de la carte qui est grise, tout est vert. Donc, vert, j'ai fait toutes les courses, j'ai vraiment tout découvert. Ah, mais t'as pas lâché. Donc, si je t'invite sur ma partie, ça va dire, ouais, mec, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ouais, ça va pas être marrant, quoi. Donc, voilà. Ouais. Et bon, bah, je vais essayer de ressortir de là. Et... C'est pour ressortir. Tant de faire voir. Ça. Là, apparemment, Far Cry IA, il a eu un. Apparemment, Far Cry IA, ils ont eu un problème de serveur parce que hier soir, enfin, comme moi, j'en regardais quelques-uns, ils n'arrivaient plus à jouer. Ils mettaient. Ah ouais, Far Cry. Non, mais pas Far Cry. Fortnite, hier. Yeah. Fortnite. Et apparemment, ils ont eu des problèmes de réseau, je sais pas quoi. Mais moi déjà ça faisait déjà depuis quelques jours déjà que j'avais remarqué que les réseaux que leur serveur il buguait parce que ça me mettait une croix rouge ou une croix jaune et hier ça me levait beaucoup hier
Il y a la Croix-Rouge, elle est apparue en haut à gauche, mais ça, c'était vraiment constant, constant, constant. Je me suis dit, attends, c'est quand même. Et à cause de ça, bah moi sur OBS, ça me faisait pas des, ça me faisait perdre des, ça me faisait des pas d'image à cause de ça. Et parce que t'as la Croix-Rouge, Ouais, c'est... c'est généralement sur un journée, que ce soit Fortnite ou n'importe quel jeu, si les chiffres que tu vois sont en rouge, c'est que soit c'est ta connexion qui déconne, qui a un problème, ou soit c'est le jeu qui a un problème. Et là, c'était pas moi qui avais le problème, mais c'était eux. Et quand c'est comme ça, et ben quand tu stream, quand tu passes par OBS comme moi je fais, et ben ça en fout un coup sur OBS, quoi. D'accord. Et donc ça te fait faire avoir des pâtes d'image. Donc en fait, c'est pas toi qui. En fait, c'est pas toi que ça merde, mais c'est. Ouais. Donc voilà. C'est résolu depuis ce matin. J'en sais rien. Moi, je sais plus. Bah soit tu prends une voiture, ou soit tu prends un cheval, ou Ouais, je me fasse avoir. sais ce que tu fais? Tu vas sur la carte, t'appuies sur tu ping, tu vas sur ton. Tu sais, tu vas sur la carte. Tu vas sur le point jaune, tu pinges et puis tu verras le chemin. Comme ça, ils te prendront Ah un chemin. d'accord. Et comme ça, quand tu peux, si tu peux y aller en cheval, bah, tu verras le chemin. Allez. On a un petit Parce que là, cheval, tu ça vois va là, être pas parce mal. que tu vois, tu vois là, mais tu. Si tu appuies sur, si tu appuies sur le truc et tu appuies sur le petit ping sur la carte, c'est comme ça qu'on fait avec Alan. On ping et on fait. Bah, t'as sur mon traiteur, quand tu finiras la mission, quand tu pourras débloquer le. D'accord. Quand tu pleurais le, quand tu pourras Ouais. débloquer le pour la mode coop Avec plaisir. pour le coop sur mon truc. Ouais. Et en fait, sur ta partie à toi, moi je peux pinguer. En fait, moi sur ta partie à toi, je peux pinguer, je peux dire on va là à ton endroit, comme fait Alan, on va là à ton endroit, mais le seul truc que moi je peux pas faire, c'est interagir avec le personnage. Ça je peux pas. Par exemple, s'il faut aller à un endroit et que ça interagit même sans que j'ai besoin de parler à la personne, ça va interagir. Ça va, hop, ça va passer. Mais tout ce qui est interaction avec les personnages pour faire la mission, ça, moi, je peux pas faire. Mais c'est pareil aussi. Il faut pas s'éloigner. C'est-à-dire que, comme toi, t'es du genre Oui, à tout bien caler, tout bien faut fouiller. pas s'éloigner du À personnage tout bien parce que fouiller. j'ai remarqué tout à l'heure, s'il va trop loin. Si jamais que toi, si jamais que moi, par exemple, j'avance, c'est que toi, tu fouilles à gauche, à droite, bah, ça va marquer un message disant, revenez parce que vous vous éloignez de votre. Donc, faut revenir. Et pareil aussi, si jamais que. Bon, il faut pas se perdre, mais si jamais que tu meurs dans une mission, et que moi j'ai pas le temps de te réanimer, par exemple, hein, bah le jeu, il va te téléporter au plus près de là où je suis. C'est comme ça que. Bah, c'est comme ça D'accord. qu'avec Alan. C'est comme ça qu'avec Alan, je sais plus quand là, bah, quand il a. Avant qu'il ait son problème de. Bah, à Internet, il est mort. Il est mort plusieurs fois et donc moi non, mais le jeu, il l'a téléporté au plus près de où j'étais. Et quand tu meurs, quand toi tu meurs par exemple, D'accord. bah ça me fait voir moi de l'endroit où on est un machin bleu pour dire bah t'es là. Généralement la réanimation, c'est pas comme sur Fortnite où il faut attendre 10 secondes, non, c'est. Je te tiens la main, tu te lèves et puis voilà. Ok. C'est pas aussi long que C'est bon Fortnite, hein. ça. Faut attendre 10 secondes, mais non, ah non, c'est beaucoup moins. Et là, j'ai hâte de te voir en pleine mission de discrétion. Parce Oui. que si tu es aussi discret que Jason, ah, parce que Jason a discrétion, wow. Ah, C'est un meilleur joueur que nous, je l'ai vu sur Jason. Sniper, je l'ai vu sur Sniper Elite, hein. Je rivalise pas avec lui, hein. Franchement, il a fait un nombre incalculable de jeux et Sur fier. Sniper Elite et sur Sniper Elite et encore, je disais, fais gaffe là parce que il y a des Allemands
Et ce qu'il faisait, il lançait des grenades. Il se trompait de touche. Il lançait des grenades, je fais oh putain. Il lançait des grenades, il fera tous les grenades. Et puis les Allemands, il entendait le bout de la grenade. Oh purée. Et puis ça faisait marrer lui. Ça faisait marrer. Alors obligé de se mettre au loin avec le sniper, puis pff, ça, je fais oh purée. C'est pour ça que. Excellent. Ah lui, il lançait des grenades lui. Il lançait des grenades. Ah bah bon. Je suis dans un petit campement là de. Ils ont pêché un requin. Ils l'ont pendu. Pour le dépecer. Allez. Est-ce que si je passe devant les soldats, c'est bon, ça passe. T'inquiète, ils diront rien. En fait le but c'est de pas présenter notre arme comme ça. On est incognito. De nuit, hein, ça a moins d'impact qu'en journée, je trouve, l'ambiance tropicale. Oh, ça, j'en sais. C'est moins joli. Ah bon? Est-ce que je peux passer par là? Ah, pareil pour la voiture, hein. Si tu tiens ta vie, comme on peut jouer qu'à deux, si tu tiens ta vie, Alan, comme il sait comment je connais très bien, mais je suis roi de la conduite, il me dit non, c'est moi qui prends le moment. Bon. Je suis tellement spécialiste. Donc, il faut éviter de prendre la voiture. Non, pas l'éviter. Non, pas éviter. Éviter que ce soit moi qui conduise. Excellent. Si toutefois, GPS sur la carte. si toutefois tu veux arriver à destination urgent, ça c'est autre chose. Ok. Allez, plus vite mon chien. Mon cheval. Non, parce que. Plus vite mon chien. Tu vois le truc que tu viens de faire, de ping. Bah là en fait, oui, quand tu as une mission, tu pars de là, en fait tu fais téléporter, tu fais rejoindre plus, je sais pas comment c'est marqué. En fait tu fais ça, et puis après, bah ça te permet de moins pas de temps à aller à point à l'autre. D'accord. Tu sais que moi je le faisais partout, je le faisais pas beaucoup parce que moi marcher ça me dérange pas avec mon personnage. C'est vrai que je prenais pas mal de temps. Ça te dérange pas de marcher? Non. D'explorer un petit peu la map? Non. Là, je pense qu'il vaut mieux qu'il y aille à pied, hein, parce que. Oui, là, je suis perdu là. Non, il vaut mieux qu'il y aille à pied. Parce que. Cheval. Ou alors, il y a une entrée là. Attends, ils viennent en. Non, mais là je pense que. Je vois rien la nuit, y'a. Non, mais là je pense qu'il faut que tu ailles. Non, pas là. Demi-tour. Demi-tour. Je vois rien. Ouais, je pose sur mon téléphone. Moi. Bah voilà, c'est bon. J'ai reconnu la montagne. Ouais. Je suis arrivé tout à l'heure. Bah tu vois. Ouais. Salut monsieur. Je suis passé par là tout à l'heure. Bah, tu vois. Ils montrent le grappin. Bah, voilà. On va se détacher. Voilà. Et puis, je vais retrouver mon pote. Qui m'attend. Et voilà. Allez, retour au camp. Cinématique. Et après la cinématique, normalement, ils vont donner un message comme quoi tu peux. Et le petit machin qui te fait avec le. Ça, le machin qui te fait. Qui te conçoit. Bah, ça, moi je l'ai à l'anilla. C'est. En fait, c'est un truc de. Tu.
En fait, c'est un truc pour ça lance des missiles. Et en fait, les missiles, tu ça va sur le. Ah, tu verras. Je monte à terre. Quand on... je crois qu'il y a une mission. Je crois qu'il y a une mission où tu dois. Là, c'est Primo. Je crois qu'il y a une mission où tu dois. Je crois qu'il y a une mission où tu dois détruire un... je sais plus quoi. Avec ça justement. Et tu vois là, c'est. Poum. Voilà, ça, la mission, là, ça, on va faire ça, ce que j'ai fait avec Alan, c'est détruire tout un champ. Et là, normalement, ça va être marqué. Mais chef. Et là, normalement, ça va être marqué. La mission n'est pas finie. Attends. Attends. Et là, ça va être marqué normalement. Machin fini. Ah, attends, ça va arriver, attends, toi. Voilà, tu vois, utiliser l'établi pour un maquillage. Ouais, tu veux, ouais, tu fais bien les gâchettes, ouais, non, mais là, c'est juste pour contrer. Après, voilà, tu fais ça, hein, tac, tu fais machin, tu fais A, ah, tu tac, tu fais charger, si tu veux, si, hein, voilà, hop, tu fais ce que tu veux, hein. Là, fais A, tiens, fais A, là, fais A, tiens, toi, appuie sur A. Non, faut juste que tu fais un truc, vas-y, fais A. Non mais c'est pire. Mais c'est pire ça, voilà, tu vois. Regarde, attends, tu vois. Fais B maintenant. Reviens, fais B, voilà. Et voilà, ils sont terminés, et puis on c'est bon. Enfin, logiquement. Ok. Voilà, on passe terminé. Et normalement, t'as un message qui va te dire. Vous pouvez jouer en coop. Voilà, ouais. Voilà, les petits gadgets. Mis la pression tout à l'heure. Parce que... Là, il te montre la gadget. Là, il te montre que je tu peux pas des gadgets. Ils vont me remettre une mission. Non, là, il va te montrer des gadgets. Et après, normalement, il va te montrer un truc. Là, normalement, ça va te montrer un message pour dire vous pouvez inviter vos amis, etc. Ouais, c'est enfin, logiquement. Ou si tu aimes les pas, moi, je peux te dire tu peux faire. Ah bah tiens, tu vois, le mode coop, c'est bon, tu vois, c'est il est marqué. Voilà. Donc maintenant, tu sais comment tu fais pour m'imiter? Tu vas sur le jeu. Alors. Tu fais sur Star ou Sèche, je sais plus. Là, tu vois en haut là. Personnage là, 39, est là. Voilà, 39, là. Tu vois, tu cliques là. Vas-y, clique sur le trottoir là-haut. Clique là-dessus, hop. Ça va lancer. Veuillez patienter. Connexion au cerveau. C'est bon? Normalement, non. Ça alors, attends, parce que comme c'est peut-être que donc c'est la première fois des bâtiments, c'est bon. Peut-être, si j'étais en groupe, ça veut dire que j'ai le multijoueur. Normalement, oui. La session n'a pas encore établi. Ah bon. J'ai fait A. Vas-y, refais voir. Vas-y, refais. Je recommence. Est-ce que moi je peux te rejoindre par contre? Pas toujours. Non, je peux pas. C'est bizarre ça. Pourquoi ça te met que le mode coop il est disponible et puis que tu peux pas le faire? C'est ça.
pire, il va falloir que je sauvegarde et que je relance. Oh, parce que moi ça me lance tout de suite. De toute façon, ça a sauvegardé. Oh, et si. Peut-être que je dois partir du menu. Ouais, parce que maman, si t'as pas le mutuel, maman, tu pourrais pas. Si t'as pas le mutuel, maman, oui. Tu peux pas. Tu peux pas mettre en problème. Hein. Si t'as pas le mutuel. Exactement. Et t'as pris quoi? T'as pris le. T'as pris quoi? T'as pris le gold? T'as pris quoi? T'as pris le. Ah, attends, faire quoi? Le gold. Le gold. T'as pas plutôt faire le. Comment on appelle ça le. Ultimate. Ultimate. À moi ou je suis content. Non, parce que si ça dure longtemps, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas logique. Vraiment, ça devrait. Normalement, ça devrait. Normalement, ça devrait. Voilà, on va avoir un écran bleu. On va revenir, je vais tout quitter et je. C'est. Le pire qui roule. Alors, quand tu dis qu'il y a un écran bleu. On essaie de faire du coop, mais ça marche pas. Alors, quand ça tu dis. Fonctionne pas. Alors, quand tu dis qu'il y a un écran bleu, nous, surtout, il n'y a pas d'écran bleu. Un écran noir. Hein. Non plus. C'est. T'as l'écran de jeu, puis c'est tout. T'as pas écran bleu. Nous rien, on va. Ah bah ça y est. Ah, ça y est. Il y a un écran bleu. Comment tu vas, Pierre qui roule? Pierre qui roule Namas. T'as saigné Starfield. Pierre qui roule Namas Pamous. Ça fait plaisir de te voir sur mon live. Désolé, j'avais pas vu le message sur ma tablette. Tu es toujours dessus. Et je croise le doigt pour qu'il rajoute du nouveau contenu. D'ailleurs, tu pourras peut-être m'informer sur le jeu parce que. En fait, ce qui me bloque un petit peu sur ce jeu, c'est que je trouve que les environnements sont très ternes. Il y a très peu de couleurs utilisées sur Starfield. Il y a beaucoup de gris, des couleurs très froides. Et j'espère que tu me rassures en me disant que quand tu rentres dans certaines villes, par exemple, il y a de la couleur qui apparaît. Parce qu'en comparaison avec Cyberpunk, par exemple, c'est autre chose. En coop, Far Cry 6, c'est excellent. C'est pour ça que j'en profite. Là, c'est la première. C'est la première expérience pour moi. Si tu pourrais passer. Si ça marche pas, ça marche pas, hein. Tu vas pas te. T'as pas pointé, c'est pas. C'est con. Voilà. Ah bah voilà. Ok, ouais, ça m'a fait peur quelques secondes. Ah bah voilà. J'ai été trop vite. Voilà. Far Cry 6, c'est encore mieux avec des amis. Bah vas-y, maintenant avec moi. Il faut que je te retrouve. Tu cliques et puis c'est bon. C'est écran
Nécromant. C'est bon, j'arrive. Tu as des planètes niveau 75 qui sont colorées. Après, ce n'est pas un No My Sky. Ah oui, ça, par contre. J'en suis conscient. Allez, petit scarabée. Station envoyée. Allez, petit scarabée. Et là, faut que je reste sur le menu principal ou je peux aller en partie? Ah bah là, je suis avec toi. Vas-y, tu fais continuer la partie. Bah, c'est bon. D'accord. Cool. Vas-y, petit scarabée. Je te suis. Allez, c'est parti, petit scarabée. Oula, encore un message d'avertissement, c'est bizarre ça. Ou alors je prends trop de connexion internet avec mon live. Quoi? Quel message qui te prévient? Votre partenaire est apparu. Eh oui, je suis là. Et le partenaire, il va te suivre. Le partenaire, il va te suivre. Oh la tête de croco. Quoi? Excellent. Et attends. Toi, la lumière, là, pour voir. Attends. Est-ce que tu sais que j'ai fait mon DLC, là? Starfield, ce n'est pas... Attends, il est où, truc? Arpenter les planètes, attends. C'est beaucoup les quêtes principales. Mais moi aussi, c'est ce que je recherche, c'est vraiment le pan scénario, l'histoire avant tout. C'est le lore du jeu. Alors que No Man's Sky, c'est beaucoup plus, comme tu le dis, expérience multijoueur. Et défi. C'est génétique. Attends, je vais m'habiller. J'ai jamais joué à No My Sky. Attends, je vais m'habiller en futuriste. Attends. Voilà. Quand là, je suis en futuriste. Là, je suis en futuriste. Viens à la lumière, s'il te plaît. Là, je suis en futuriste. Là. Je te vois pas. Bah, tu vois pas là. Excellent. Voilà. Excellent. T'es vraiment pas dans le thème. Hein. Oui, ça va. Avec ta tenue de cosmonaute là. Tu sais ce qu'elle dit ma tenue d'astronaute? Bon allez. Elle est là. Oui. Faut savoir que Groot c'est la seule personne à avoir fait le DLC de Far Cry 6. C'est un DLC qui faisait même pas partie du Season Pass d'ailleurs. Du Game Pass, du Season Pass d'ailleurs. Oui, c'est la grosse douille ça encore. Oui, ça c'est... Oui. C'est la grosse douille. Je trouve ça, voilà. Bon, c'est une affaire autre, mais bon. C'est un peu... Voilà. Bref. Ok. Tant qu'il ne s'entretue pas, tout ira bien. Bon, les petits scarabées. Je suis à 400 heures. 400 heures de Starfield. Tu me crois, ça? Bah, moi, Starfield, Starfield, moi, j'aimais pas finir encore Starfield. Tu vois. Ah, bon, allez. Voilà. J'ai même pas commencé. Je l'ai même pas encore. Il est temps d'agir. Maintenant. Je sais qu'il est disponible sur le Game Pass, mais... Ouais, elle dit, il en est déjà maintenant. Ouais. Allez. Et maintenant. Et ça, allez. J'ai fait que ce du Game ou du Season Pass. Donc le Season Pass, je pense que... Tu as accès à... Il ment là. Aux histoires qui sont présentes sur les. Il ment ton machin. Les opus précédents là, les ennemis. Je suis pas le caresser dans ton espèce de. Ton espèce de moché là. Il faut qu'on parle. Hein? Non? Quoi? Bah, essaye, hein, tu verras s'il te ment. Non, tu sais quoi? Une espèce de moché là. Attends, moi j'ai un truc plus beau que ça là. Attends, you. Pour lui. You. C'est un amico. Ah oui, tiens. Terminer, attends, moi j'en ai un plus beau que ton truc là. One. You. Nous attend. One, you, one. One nous attend. Ah. T'as accepté l'émission là? Donne-leur une leçon. Voilà. Sur le coup. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Viens, petit scarabée. Je vais te montrer. Je vais t'apprendre. Avec moi, on fait pas discrétion avec moi. Il n'y a pas moyen de changer la. Quoi? La météo. Oh, jour, nuit. Il est temps de voir ce que ce suprême a dans le bide. Si ça change avec les soldats, presse la détente. J'ai un beau petit joujou. Tout petit truc que tu dois savoir. Dis-moi.
Les suprémos sont, enfin, expérimentales. Ils ont besoin de respirer un peu entre deux utilisations, sinon, ils surchauffent et peuvent te tuer. T'aurais pu dire avant que je me l'attache dans le dos. Allez, laisse le suprémos repaître du sang de tes ennemis. Quoi? Tu verras, Danny. Tu comprends. C'est un petit rigolo, lui. Oh, t'as pas idée à quel point c'est un petit rigolo. T'as pas idée à quel point. T'inquiète pas, t'es avec moi. T'inquiète pas, t'es avec moi, y'a pas de problème. T'inquiète pas. En plus, moi je suis habillé en gigros en plus, hein, contrairement à toi. Je suis habillé futuriste, moi. T'es descendu par là, toi ? Eh bah oui. Pourquoi t'es essayé par où, toi ? Ah bah ouais, bah à ce compte-là. Ok. On descend, on rappelle. Ouais, je suis dégoûtant, les gars. L'écoutez pas, il va. L'écoutez pas, il va. Il va faire Hitman. C'est les mecs qui tuent sans. Les mecs qui tuent sans se repérer. Les DLC de Far Cry 6, c'est pas ce qu'ils valent réellement. Les trois premiers là. Bah, les trois premiers. En fait, les trois premiers, tu fais le cinglé. En fait, tu fais les trois premiers cinglés. En fait, tu fais les trois premiers cinglés des trois Far Cry. C'est des vagues ennemis, je crois. Et après, bah voilà. Alors attends. Alors tu t'attends quoi? Tu fais quoi? Tu fais le. Je te suis, mais je suis dans la jungle équatoriale là. Oh là là, qu'est-ce qui est long, qu'est-ce qui est long. C'est pour ça, c'est lourd, mon petit matos là. J'ai du lourd dans le dos là. Et tu crois que moi j'ai pas du lourd? Moi j'ai ma grosse mitraillette sur moi, j'ai. Tu crois pas que j'ai du lourd chez moi? Alors. On fait quoi? On fait le mec qui. On fait quoi? On fait le mec. Le mec à Lightman ou on fait quoi? Là par contre, je vais prendre. Mon arme silencieuse. Ah non non, c'est pas lui. Ah non, lui c'est. Non, lui c'est. Ah, lui, c'est gentil lui. Non 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 non. Non 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 non. Calme-toi, calme-toi. Faut qu'on lui parle. Et oui oui. Calme-toi. Simplement. Oh putain, il arrive d'ailleurs. Il y a un coffre là, photo, est-ce que tu peux aller me le chercher? Pourquoi moi? Est-ce que ça compte déjà? Pourquoi moi? Pendant que je parle au monsieur. Déjà, je sais pas si ça va fonctionner. Ah, si, si, normalement ça marche. Attends, il dit où le chat. Ça va, où il est, moi, ton coffre? Ça va, où... Ah oui, là. Oh purée. Manque de bol. Manque de bol pour toi. Manque de bol pour toi, il est ouvert. C'est con. C'est con, moi. Bon, allez. Primo, on cible tabac. Dezio, on détruit leurs réserves de gaz toxique. Tertio, on s'arrache en vitesse et Castillo reçoit un gentil petit message de Libertad. Ok? Ça me va. Prends ça. Normalement, logiquement, tout ce que tu ramasses, tout ce que je ramasse, ça compte et pour toi et pour moi. Ah oui, j'ai un gant. J'ai un gant. Ah oui? Ah normalement, tout ce que tu ramasses, ça compte et pour toi et pour moi. Ah ouais, bah je vais essayer. On va voir. Qu'est-ce que t'attends? Si. Enfile ton équipement. Bah y'a vraiment des ressources de partout ici. Quel équipement, Léon? Je pense que c'est dans notre inventaire. Bon allez. C'est équipé du masque à gaz. Équipé les gants et le masque. Vas-y, quoi. Enfile ça. Eh mais il faut que ce soit toi qui le fasse, pas moi. Toi. Ok. Mais toi, tu vas... Non, mais t'occupe pas de moi. Vas-y, fais-le toi. Mais les gars, le coffre. Il est pas ouvert, le coffre. Bêtise. Est-ce qu'il veut... Est-ce qu'il veut se prendre une... Il est peut-être ouvert pour toi, mais pas pour moi. Bah moi, il était ouvert. J'ai bien fait d'y aller parce que j'ai une nouvelle tenue. Oh, de parcours. Mais le truc qui te dit, là. Oui, oui. On va s'équiper. Qu'est-ce que t'attends? Enfile ton équipement. C'est bien, attention. Attends, j'ai un masque à gaz. J'ai un masque, mais c'est pas. Il est pas très efficace. Ouh.
Bonne tête de tueur. Rappelle The Division 2, ça. Ah ouais, j'ai vu que tu... J'ai vu que tu jouais à Portland tout à l'heure, attention. J'ai vu que tu jouais à Portland tout à l'heure. Enfile ça. Élégant. Ah. Utilise la protection élégant. Chaque situation. Ils sont là, les gars. Je crois ouais, que c'est... Je sais. Le bon outil pour le bon boulot. C'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais, c'est parti. Ok, on va suivre le monsieur. Oh, il fait nuit. Bordel. Lita était une sœur pour moi. Elle avait rien à faire sur ce putain de bateau. Elle est morte à cause de toi, Rouras. Non. C'est Anton Castillo qui l'a tuée. Si je pouvais revenir en arrière, c'est moi qui mourrais sur cette plage. Jamais je lui arriverais à la cheville. C'est bien vrai. Si elle t'aimait, on va sur la personne que tu es. Ça suffit. Ne restons pas là. Écoute, si on doit faire ça, tu dois savoir pour le gaz toxique. Tu parles de ce qu'ils répandent sur les feuilles? Ça s'appelle... Oh, le croco, il nous suit. On appelle ça gaz toxique parce que ça bousille le corps. Évite d'en inhaler ou d'en avoir sur la peau. Ça peut te rendre malade ou te faire devenir complètement dingue. Si c'est, et c'est passé. Tu finiras petit à petit par donner le cancer. Cognon. Donc, tu viens de l'armée. Sniper, combat rapproché, c'est quoi ton truc? Je suis doué avec les flingues. On s'entend bien. Il va falloir te décider. L'équipement que je t'ai donné te protégera du poison et du feu. Et les guerriers roses doivent trouver l'équipement qui leur convient. Quelle que soit la situation. Sinon, c'est la mort assurée. C'est un bon point d'observation. Ok, je te suis. Voyons bon, quoi. Bon, on va essayer de... Pas les choses proprement. Oh oui, bah ça, je te fais confiance pour ça. Hein. Toi, t'es monsieur propre, toi. Voilà. Toi, t'es monsieur propre, toi. Je te fais confiance. Hein. Claire. Là-haut, allez. Oui, je sais pas si tu connais le jeu Remnant 2. Si. C'est quoi ça? Un jeu en Remnant. Tu es un chasseur de monstres et tu dois suivre les créatures. Tu vois le tabac pour le Viviro et les... Tu avais commencé à faire le 1. Quoi? Si. Sa chaîne. Perce les réservoirs pour que le poison s'en... Oh alors là, ben, je pense qu'il y avait plus. Voilà. Le feu et le poison forment un mélange explosif. Très explosif. Oui, il est récent, il vient d'arriver sur le Game Pass. Pareil pour les fumigateurs. Ils sont solides mais ne supportent pas la chaleur. T'as un lance-flamme et t'as un supremo. C'est l'heure de foutre en l'air toute cette connerie de Viviro. Là. Tu sais, on avait un rituel, Lita et moi. Pour nous motiver avant le combat. Une chanson. Ah, la fameuse chanson. Excellent, on s'en fout des droits d'auteur, là, les gars. Oh, t'as un pad sur le gameplay. T'auras pas de droits d'auteur. Pour Lita. Pour Lita. T'auras pas de droits d'auteur sur ça. Excellent. Bon, le petit scarabée, là, il a le lance-flamme. Oui, mais toi tu l'as pas. T'occupes de moi, t'occupes pas de moi. Ouais. Crame tout ce que tu peux cramer, moi je vais... Moi j'explose tout ce que je peux exploser. Oh, oh, y'a des... Ciao. On est dans le thème là. Bienvenue à Cuba. Oui, je vais cramer aussi. C'est pas bon, cramer. C'est pas bon, cramer. Ils sont où les ennemis là? J'occupe les ennemis. Crame. Crame tout. Crame tout ça. Allez. Tous les champs. Tous les champs pour cramer. Heureusement que j'ai mon masque à gaz. Hein. Oui, il y a de la musique, mon coco. On adore. Oups. Tu vois que niveau discrétion
Oula, 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 oh putain, j'ai sauté. Putain, j'ai volé. Pêche. Ah, c'est toi qui fais exploser c'est moi, ouais. Le campement. Ah ouais, c'est moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Ah, c'est le but, hein. Oula, oula, le baril, il explose. C'est le but que tu te fais exploser. Mission. Utilise toute ma puissance de feu. Oh, j'ai plus de munitions. Ciao, belle. Ciao, ciao, ciao. Wow. C'est qui le patron? Récupère un petit peu d'essence. Voilà. Ça, ça. Pas de base. Dis les créneaux. Dis les questions. Coca-Cola. Tu sais qu'il y a un pas dans la salsa, ouais. Et il l'appelle le Coca-Cola. Ah bon? Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais... T'as bien raison, j'utilise rarement mon compagnon. J'y pense pas. Je suis beau. Hop, un petit peu d'essence, mais je sais pas à quoi ça sert. Danny, c'est bon. Rejoins-moi au point d'observation. Déjà ? Ah, allez, bon, c'est quoi ça ? Allez, on n'est pas là pour explorer là. Si on explore, on va pas finir. Ouh, ça pique les yeux là. Là, si on explore, là, j'ai dit ça, on est pas dans la. Là, on va se faire laminer. Voilà, toi je t'ai eu. Bien concentré en plus. Retrouver Giulio. Oh, ça explose de partout. Ah, c'est un beau clin d'œil. Un Far Cry 3, ça. Avec le champ de cannabis qu'on a brûlé de partout. Tu te rappelles de cette mission sur Far Cry 3 où on brûlait le champ de cannabis avec un lance-flamme, tout simplement. Oh, je m'en rappelle pas. Et voilà, le soleil se lève. C'est dommage qu'on n'a pas d'aigle comme Assassin's Creed pour voir en hauteur les objets qu'on a loupés. C'est quoi ça, c'est USB? Ah, la chanson est dans la clé USB. Ok. On a des champs qui sont répartis sur toute la map. Pourrions-nous aller, s'il vous plaît, chercher une hisse? Oui, on va retrouver notre chef de. Des squads. Forcément. On retrouve des munitions. Et le camp est détruit. Faut que ça crame ici. Comme ça. Faut prendre cher. Castillo va comprendre le message maintenant.
Est-ce que tu as encore un œil sur mon stream, Groot? Non. Non, j'ai un œil sur... J'ai un abonné à moi qui a écrit le nom du jeu sur le chat. Quoi? Remnant 2. C'est un jeu qui est en coop aussi et qui est sur le Game Pass. Ils l'ont mis récemment. Red Dead Redemption 2? Le 1 et le 2. Red Dead Redemption 2? Non, Remnant, ça s'appelle. Je le connais pas. Bah t'es un chasseur de monstres. Je connais pas. Et c'est un jeu qui se fait principalement en équipe. Salut. Je connais pas. Je parie qu'on voit la fumée depuis Esperanza. Un beau petit câlin à mon compagnon. Mais va un petit gros coup. La musique elle est... Enfoiré. Méga top. Danny. Je me croirais encore dans la casa de Papel. Tu l'as vu la casa? Putain. C'est une série. Tu te démerdes bien. Je veux pas dire je te... Mais justement, il y a cette musique. Écoute, faut qu'on bouge. Dans cette série. C'est le bordel et ils vont voir la fumée. On forme une bonne équipe. C'est vrai. Tu sais, si ça le faisait avec Lita, ça va le faire avec moi. Merci Danny. On se retrouve au camp. Ok. Cool. Ouais, c'est une musique de rassemblement, une chanson. C'est un chant. C'est pour motiver les troupes. Excellent. T'as fini. T'as de la moula. Maintenant, on fait quoi, chef? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans proximité? Je sais pas. Il y a un gars qui a fait un pot. Tu sais ce que c'est, mais il y a un succès qui demande de capturer un camp. Un gars qu'on peut faire, parce que j'ai pingé bleu. Hein. On peut faire le camp de... Ça, c'est le premier... Oui, c'est pas loin. C'est pas très loin. Tu permets que je regarde sur Internet pour... Oh, ouais, vas-y. Clara, j'espère que tu vois la fumée de là où t'es. T'as porté un sacré coup à Castillon aujourd'hui. J'espère que Rulio n'a pas été trop dur. Mais je pense qu'il n'y a pas énormément de trophées en multijoueur sur ce Far Cry. Pas qu'il aurait le sourire en ce moment. Danny, j'aimerais te faire rencontrer quelqu'un. Il s'appelle Benito. Et tu sais, ma Xbox Series X, que j'ai eu à Noël, là. C'est toujours sympa. Hier, je suis très heureux. Tu sais convaincre les gens, Danny. D'ailleurs, pour ça que je fais du Far Cry 6. On a besoin de Benito. On a réussi à faire un prélèvement plusieurs fois en fait. C'est pour ça qu'on. Ma chérie, elle en a offert parce que elle a pas payé aussi cher que prévu parce que c'est étalé sur plusieurs mois. L'avantage, c'est qu'il y avait un magasin Fnac qui a ouvert dans ma région, qui a ouvert ses portes et il avait des Xbox Series X en magasin, en stock. Et en vrai. Ils nous ont proposé si on voulait faire des prélèvements plusieurs fois, voilà. Donc c'est pas plus mal, c'est étalé sur plusieurs mois. Donc ça fait pas un trou dans le salaire. Ok. Alors, on va où? Je te suis, chef. Chef. J'aime bien quand il m'appelle chef. Donc c'est là-bas. Donc là, c'est on va. C'est pas méchant. Hein. Non, mais justement, j'aime bien qu'on m'appelle chef. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils détestent quand on les appelle chef parce qu'ils disent ah, je suis pas chef. Là, je te montre juste un truc. Hein. En fait, ce qu'on va faire là, c'est juste pour. Alors bon, on y va à pied, mais on pourrait le faire en tracteur ou à cheval ou ce que tu veux. Excellent. Alors, Magnifique. Je crois qu'il y a même. Attends. On va même pas mieux que ça. Hop. Ah, normalement, j'ai mon véhicule. Alors, toi, tu vas le faire aussi. Toi, tu vois. Et où, toi? En fait, moi, j'ai appelé. Oh. En fait, moi, pardon, c'est. En fait, okay, moi, c'est mon véhicule à moi. C'est ma voiture à moi. Gracias.
fait, moi, c'est ma voiture à moi. Mais, mais toi aussi, tu peux avoir ta voiture, toi. Alan, il... Alan, okay. Non, vas-y, tu peux grimper. Excellent. Vas-y, tu peux grimper, hein. Est-ce que je peux monter en haut, la mitrailleuse? Oui, 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 yes. vas-y, t'as plaisir. Excellent. Donc oui, il y a un succès en question qui demande de capturer une base des FND en coopération. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? Oui, bah on va sûrement en faire une. Ah, par contre, tire pas n'importe où, par contre. Hein. Ah ouais, c'est des... Là où on va arriver, tu pourras tirer. Oui, là, tu pourras te défoncer. Hein. À toi. Là, vas-y, tiens tout ce qui bouge, hein, tu vois. Hop, vas-y, tiens tout ce qui bouge. Vas-y. Vas-y, dépends-toi. Et hop. Et hop. Vas-y. Trop facile. Vas-y, ouais, vas-y, viens. Fais ta plaisir. Esprit d'équipe. Là, tu vois... C'est tout. Parce qu'il doit y avoir... Ah tiens, ça, regarde le panneau là, tu vois le panneau là. Là, le panneau des espèces de cinglés là. Tu vois le panneau des espèces de cinglés là. Oui. Bon, en fait, tu vois, tu fais ta... Oui, oui, propagande. Hop là. Ah, c'est ça qu'on fait. Ouais. En fait, t'as... En fait, quand tu vois ça... Salut, territoire. Et en fait, quand tu vois son... sa tête de l'autre taré là, tu... Hop, puis... Paf. Et en fait, là, ce que je viens de te D'accord. faire, ce que je viens de te faire, faire là, par exemple, là, ça, tu vois, c'est un moyen pour te rapprocher. L'émission, c'est un espèce de point de, ouais, c'est marqué, tu vois, voyage rapide. Donc, tout ce que tu libères, c'était un voyage rapide. One. Le poste de contrôle est dégagé. D'accord. Ça t'a fait du bien, pas vrai ? Ok. Donc en gros, voilà. Bon, là, on va faire la mission qui, tu vois, après là, t'as le site antiaérien IOTA. C'est ça que je t'avais expliqué, toi, le citoyen. Ça te permet, si tu le détruis, de toute façon, à un moment donné, il va falloir qu'on détruise. Et le citoyen, bah, c'est pour justement te, bah, éviter que tu te fasses tuer, quoi. Bon, là, on va à la mission là-bas au TQ, là. Et ça. Attends, elle est la voiture. FND ont saisi un dépôt de carburant. Oui, c'est pas considéré comme une base. Le stade a besoin de cette essence. Non, mais t'inquiète pas, la base. Je sais pas si on l'a prononcé, mais. Oula, c'est quoi ça? Bah, en fait, faudrait qu'on la fasse le plus vite possible, quoi. Bah, ça peut être possible. Je sais pas si on va pas jouer, hein, c'est ça. Allez, viens. Parce qu'il y en a pas là sur l'île. Non, sur la grande île à côté, oui, peut-être, mais là, sur la petite île, là... Bah, attends, je vais prendre la place de l'artilleur. Ouais. Sur la petite île, peut-être, mais sur la grande île, peut-être, où il y a plus de régions, mais là, c'est une petite île, là. Et bon, je l'ai vu. Eh oh, ah. Mais t'as pas sous le monde, toi. Mais là, il avait arrêté un civil. C'est pas grave. Eh, tu vas quand même pas tirer sur tout le monde, non plus. Bah, presque. Mais là, ça va qu'on est... Là, ça va que là, on est dans un endroit où il n'y a pas d'hélicoptère, mais quand tu vois un hélicoptère, t'as droit, Ok. Excellent, ouais. Elle est cool, ta... La voiture améliorée là. Ouais. C'est bon. Petite prise aujourd'hui. Ouais, mais... Elle est bien ça va. Ok. T'as vu le requin derrière toi? Ouais. Bah vas-y, palpé. Cogno. Quelle chaleur. Excellent. Oui, ça serait plus excellent si tu lui parlais. De quoi? Parle-lui. Moi, je parle. C'est ce que je suis en train de faire. Pourquoi je le vois pas, moi? Je le vois devant, mais je sais pas. C'est bon. Bonne chance, camarade. D'accord. Ok. Les gens,
Je vais envoyer un message à mon chéri. Ouais. Qui est au travail, qui m'envoie des messages. Tu veux que j'en vole une? Ça me rappellera mon enfance. Tu joues dans la cour des grands. Tiens, la page est FND, tiens. Oui, tu veux en faire? Tu veux en faire une petite? Oui. Tu veux en faire une petite FND? On adore. Quoi? Oui, quoi? Sécurise la base des FND. Attends, parce que je sais pas si dans quoi c'est. Je sais pas si dans. Je sais pas dans quelle. Opération, si tu veux, je sais plus. Je crois que c'est la base. Tu peux changer d'équipement, les tenues. Si tu veux en faire, si tu veux faire, c'est la base. C'est des dépôts de carburant qui a besoin, mais c'est un site militaire, donc c'est un. Ah, tiens, on va pas ça. Et bon, je t'ai mis le. Ferme-la et demande simplement une voiture. Là, voilà, je suis dans le tuto du jeu. Juan, elle est cool, cette caisse. C'est pas une caisse, Danny. C'est vraiment pas une dizaine de 1956. Hey. Ouais. Comme moi. Sauf que moi, est-ce que tu as un dialogue, toi? Bah. Oui. Bah, quand tu parlais à l'autre là, par exemple, tu parlais à l'autre là, bah tu vois, moi j'entendais pas. Tu lui parlais, mais j'entendais pas, moi. Oula. Bien joué. Oui. C'est bon ça. Tu l'as écrasé ça. Oui, je l'ai pas fait exprès. Hein. C'était un soldat ennemi. Pas bien fait. En espérant que les ennemis respawnent pas. Bah, normalement, généralement, non. Ah, c'est bon. Oula. Ouais. En route vers le dépôt de carburant. Benito veut que je le reprenne des mains de l'armée. C'est devenu une base des FC. C'est tellement beau. Bordel. Si on veut la liberté, il faut libérer les lieux de leur champ. Je ferai ce que je peux, Clara. Ok, c'est good. Clara, je suis au dépôt. Bon. Fais-toi plaisir, c'est ça que je veux dire. C'est parti. Trouve un endroit en hauteur. Ouais. LOL. J'ai compris. On arrive directement chez l'ennemi. Donc là, c'est la base des FND. Comme très voulu. Oh non! Ça attire tous les ennemis! Je vois des troupes sur les routes! Elles arrivent sur ta position! Ils ont mis l'alarme! Ouvre bien l'œil, Danny! Je déploie des renforts sur ta position! Okay. Oh putain! Oh. Voilà! C'est bon, je les ai eus! Il en reste là? Ah, y'en a un en haut, c'est bon. Attends. La clé de quelque chose. Y'a encore du monde qui est. Dans les environs. Voilà. C'est bon, je l'ai eu. Merci mon croco. Discrétion repassera, mais. Capturé. Il est où mon succès là? Dépôt de carburant. Ah non, c'est la base des FND ça. Allez, c'est bon. Bah voilà, c'est bon. C'est bon, merci, au revoir. C'est bon. C'est bon, merci, au revoir. Ça a refait ma journée. Benito, par contre, ce qui est dommage. La station essence a rouvert. Sers-toi autant que tu veux. Ok, Danny. Mais là où ça se corse, c'est que la commandante Rosario est une meurtrière. Elle s'arrêtera pas. Tant qu'elle sera vivante, cette île sera jamais sûre. Compris, Benito. J'adore cette arme. Il y a un truc aussi qu'il faut que tu saches, c'est que quand les véhicules que tu les détruis. Sur ton véhicule ou véhicule d'autre, tu peux les réparer. Cache-moi. D'accord. C'est bien ça. C'est bien ça. Attends.
Je savais pas. C'est ah bah moi tu sais. Bonne astuce, voilà. Hop, on va pas suer là. Est-ce qu'il y a des coffres un peu partout là? Bah pire, je vais faire ça la prochaine fois. Pendant que t'es avec moi, bah, je vais progresser. Voilà, je vais suivre le maître, comme on dit. Ça va, c'est pas trop moi, long, madame? Tout ce que je ramasse, de toute façon... Je pense que c'est trop lourd pour toi, madame. Bazooka. Carte d'acier, ok. Normalement, tout ce que je ramasse... Je vais t'inviter plus souvent, hein, mon ami. Quoi? Normalement, tout ce que je ramasse... C'est le compte, c'est pour toi. C'est l'établi encore une fois. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais toi c'est le crocodile. Ouais, parce que je sais pas où t'es, mais il t'a suivi en tout cas. Non, non, je suis au niveau des grosses bonbonnes. Enfin, je sais pas. Container, je sais pas trop ce que. Ça on appelle ça. Qu'est-ce que tu fabriques là-bas? Si tu as le. Je fais le tour pour voir s'il n'y avait pas des coffres cachés. Je suis sûr qu'il y a quelque chose en haut. Je suis quasi sûr. Il y a une tyrolienne en tout cas. On a une belle vue là. T'es où là? Impeccable. Ah, moi le problème c'est que comme moi j'ai déjà tout fouillé les moindres millimètres, le problème c'est que moi je le vois pas parce que comme moi je le vois pas parce que comme j'ai fait. Ouais, c'est le problème c'est que c'est pas indiqué sur les radars, mais alors quoi, je fais un récup. Je suis un peu déçu. Il y a une belle vue, ouais, là. D'ici, j'aurais pu faire un massacre avec les ennemis. Oh, les. Voilà, tyrolienne. Tout le monde descend. Oui, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que. Ah, bien joué! Histoire du parachute. Si tu tournes de 2 mètres de haut, tu meurs. Ouais, enfin, c'est très chiant. C'est en réalité, gars, si tu tombes 2 mètres, tu te pètes une jambe. Hein. Oui, mais tu meurs pas. Non, tu peux te faire une jambe. Ça, mon gars. Ouais, j'ai pas activé le mode streamer, moi. Rien à branler. Non plus. Ouais, je veux kiffer l'ambiance cubaine. C'est tellement rare d'avoir des jeux comme ça. Ah, allez, crache-le. Artois, il y a joué quand il jouait à Far Cry 6, il coupait la musique parce que il aimait pas la musique. Parles de quoi, de YouTube ou de Twitch? Non, Artois quand il streamait dessus sur Artois quand il streamait Far Cry 6, il voulait couper le. Ah oui, ça le saoulait. Et voilà, il aimait peut-être, pas la musique. Ouais. J'ai pas souvenir. Il aimait pas la musique cubaine. Mais j'ai vu dans les paramètres, c'est bien foutu quand même parce que pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité réduite, c'est bien pensé. Si tu es daltonien ou si tu as des problèmes c'est comme Fortnite, aux yeux, c'est comme Fortnite, t'as des le viseur automatique, ouais, voilà, c'est comme bien pensé pour ça. Ouais. C'est comme Fortnite, hein. Fortnite, ceux qui ont des problèmes d'élocution, etc. T'as un système où tu vois les coffres, vois les coffres, où tu vois des mecs qui, quand ils marchent, tu vois où ça marche. Moi, je pense à beaucoup, moi, de ça, pour voir où sont les mecs. Bah, les autres aussi, ils sont ça. Hein. Il y a beaucoup de streamers sur Twitch, quand tu regardes comment ils jouent à. Ben, ils se servent de ça pour voir où sont les ennemis. Bah, où sont toi, l'occurrence, quoi, où dis-toi. Par contre, tiens, parce que là-bas, c'est là-bas dans la jungle. C'est tellement plus beau de jour. Ah oui, il faut suivre les marques bleues, c'est ça qu'ils m'ont dit au début du jeu. Non, mais là, je vais au... Commando Rosario. Tu t'occupes d'un petit problème pour Benito.
Ouais, je vais rendre visite à sa pote, Rosario. Fais bien attention, elle sera pas toute seule. Trouve un endroit en hauteur avant d'appuyer sur la détente. Et n'oublie pas la règle numéro 9. Utilise le bon outil pour le bon boulot. Règle numéro 6. Excellent. Ferme ta gueule. T'es un adulte, à toi de prendre tes décisions. Étends tes ailes et prends ton envol, petit zozio. Ferme ta gueule, j'ai bien. Bien, ferme ta gueule. Bien envoyé ça. Règle numéro 9, ferme ta gueule. Oh là là. Ah bah voilà. Non. Et si. Ça fait quoi? Bah, je l'ai tué. Rosario est morte. Ah ouais, t'as fait un massacre sans moi quoi. Oh toi. J'avoue que j'avais des doutes sur Clara, mais j'ai jamais douté de toi. J'ai appris quelques trucs pour me débrouiller sans l'aide de personne. Dis à Clara que je me dirige vers son camp. Elle a nos bateaux et notre matériel. Oh, si tu veux tuer les autres, vas-y, hein, Ouais, c'était les marques déjà. Vas-y, hein, pas de problème. Hop là. Oh putain. Ah ouais, d'accord, carrément. Parachute, mais je sais pas comment l'utiliser, ce putain de parachute. B, appuie sur B. Oui, mais comment tu fais pour gérer l'altitude? Il est en route. Tu veux pas? Bah, ton jeu stick. Maintenant, on retourne au camp. Il est temps de quitter cette île. N'oublie pas notre accord, ok? J'ai largement rempli ma part. Joué. L'un de ces bateaux. Le dernier, c'est pour moi. Vas-y. Mais si on changeait l'histoire d'abord? Yeah, voilà. C'est bon ça. Au petit jeu. Voilà. Bon, alors, et où l'autre? Ah, tu vois là, normalement, tu vois, pour aller plus vite par exemple, tu vois, là tu fais voyage rapide. Alors là, moi, je fais un voyage rapide, tu vois, je pensais pas que je pouvais le faire moi. Tu fais voyage rapide et t'as juste à appuyer sur les trois traits de ta manette pour dire oui. Voilà. Fais ça, et là tu appuies sur les trois traits en bas de ta manette pour dire ok. Ok, je vois. Tu vois, voilà. Et comme ça, on se téléporte là-bas et comme ça, ça évite d'y aller. Puis toi, appuie sur les trois. Oui, j'arrive. Ouais, j'essaie de clean le camp. Pour ne pas revenir en fait. Attends, j'ai vu. Parce que. Ah, mais non! Quoi? Pourquoi t'as quitté? Mais non, mais je suis là. Ah, mais j'ai juste annulé le truc de téléportation. Mais non, fallait pas annuler, j'étais en train de finir. D'accord, j'en rappelle. J'attendais la fin du téléport. Voilà. Donc, on voit là, hop, tac. On t'appuie sur les trois. Yes. Et donc, moi, ce que je fais, parce que toi, je savais pas que je pouvais le faire. Donc, moi, ce que je fais, toi, tu peux le faire. Si pour te téléporter d'un peu plus près, tu cliques dessus, moi ou n'importe qui avec toi, et t'appuies sur les trois. Ce que ça fait en l'occurrence. Ok. En attendant, moi je bois un petit coup. Santé. Oula, nouveau chapitre. Non, c'est juste un. Sneaker. Attends, tu veux qu'on bousille la flotte d'Anton? On est des pêcheurs, je te rappelle. Alors reprends ta vie de merde, l'ami. On est bien équipés par contre. Essaye, c'est cool. C'est quoi le plan au juste? Quentin nous repère depuis la capitale? Oui. Ça fonctionne. Vous avez 20 minutes avant que l'armée débarque ici. Vous feriez mieux de bouger. Courez. J'ai dit courez! Ah non! Règle de la guérilla, Juan Cortés. La révolution n'est pas gagnée par ceux qui ne craignent rien. Mais par ceux qui sont craints. Et que craint Anton Castillo? Élection libre, expression libre, paria libre, un pays libéré des Castillo. Okay. Mais il n'aura jamais peur. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour la liberté aujourd'hui. Pas quand on n'aura plus d'armes ni de troupes, aujourd'hui. Car aujourd'hui, on va faire un grand ménage dans la flotte de l'oppresseur, compris? On dirait un film, le truc. Je ne suis pas sans crainte. Je suis terrifié. Mais je vous promets une chose. Je serai craint. Du cinéma. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad.
Viva. Ouais, ça m'étonne pas que tu aies pris autant de plaisir à faire ce jeu. On rentre, camarade. Franchement. Elle sait ce qu'elle fait, au moins. Ça m'étonne qu'il soit autant critiqué. Rendez-vous dans les airs, camarade. Et là, je suis même pas à 2 heures de jeu. Guapo. Et là, en fait, on va aller dans la deuxième partie de... C'est quand tu vois, toi, quand tu fais la carte. Tu vois, t'as là en bas où on est, là. Il se la sonne toi, je sais pas quoi. Et quand tu fais un zoom de la carte, bah, tu vois que la carte, elle est beaucoup plus grande. Hein. Il y a Costa del Mar, Lausania, Arc Linta, pas de ça. Et en fait, tous ces endroits-là, moi, ce que je faisais quand je les jouais en solo, je faisais vraiment tous les coins dans les moindres détails. Oh, mais moi, j'ai tendance à faire la même chose. Quand je trouvais un truc à faire, les copes, les machins, les diamants, les. En fait, moi, ce que je faisais, je faisais zone par zone. Je faisais dans ta zone, il y avait. Bah, je faisais un peu comme je faisais dans, comme je jouais quand je jouais à Assassin's Creed. Ah, ça sent. Je faisais chaque région, je faisais les missions qu'il y avait à faire, les missions défis, les missions machin, et seulement après, je faisais les missions principales. Mais avant, je faisais défis rapides, enfin défis, etc. C'est comme ça que moi je faisais. Bon, avec Alan, bon, comme lui, il a fini aussi, il a fait ce que moi j'ai fait, donc nous, comme on le connaît, on s'appelle plus trop le comment ça se finit, bon, bah bref. Mais bon, comme nous on le connaît, qu'on l'a déjà fait, on avance, on fait les missions qu'il y a dessus, puis voilà, après il prend part. Mais moi, la première fois que je le connaissais pas, je faisais vraiment mais tout à vraiment à 100%. Dans la ville, à un moment donné, dans la ville là, qui a c'est Esperanza, là où l'espèce de taré, là, le navigateur, tu verras qu'il y a des coins, même si tu veux explorer pour trouver, je sais pas, pour trouver une caisse d'armes, ou parce que tu as des caisses d'armes, tu as des contrebandes iraniennes aussi que moi je m'amuse à faire. Bah, les contrebandes iraniennes, tu vas voir qu'au début, à un moment donné, quand t'as accès à la villa, bah, t'y as pas accès. Parce que il faut que t'avances dans le jeu pour y avoir accès. Mais je sais que tous les endroits où il y avait des contrebandes, parce qu'en fait, dans chaque quartier, dans chaque région, t'as les espèces de diamants roses pour faire Alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des petites histoires à faire, c'est des petites histoires que tu dois faire, bon bref. Et quand tu réussis cette histoire, soit t'as un bout de tenue, soit t'as un morceau de tenue, soit t'as une arme aussi, je crois, il me semble, t'as une arme, enfin je sais plus trop ce que j'ai. Et donc moi, bah comme j'ai fait le jeu, voilà, j'ai tout, hein, j'ai les armes, etc. Et tout ça. Et donc comme toi, t'es un peu comme moi, t'aimes bien tout explorer. Oui, moi j'aime bien explorer, prendre le temps de... Là, si on fait... Pour mes détails. Là, par exemple, tu vois, il va falloir qu'on détruise le site anti-aérien Nota, justement, pour que si tu veux prendre un hélicoptère pour aller plus vite, pour éviter de prendre le machin, bah, il faut que tu fasses ça, sinon, bah, tu vas être prêt, en ciel. Même là, c'est pareil, là, regarde là, rien que là, ce qu'on a fait, tu vois, t'as plus que la moitié. Là, dans le petit coin, Là, t'as le contrebande yarané, t'as au moins deux contrebandes yarané à trouver, là, c'est pareil, t'as une contrebande yarané à trouver. T'en as au moins deux, là. Sur l'île, là, où on est là. Mais contrebande iranienne, c'est je sais plus ce que c'est contrebande iranienne. Je crois que contrebande iranienne, c'est si je raconte pas de conneries, c'est soit c'est pas des trucs qui sont liés aux multijoueurs, ça. Non, parce que je sais qu'il y a un système de contrat hebdomadaire. Là où c'est lié, on peut le faire en coop, c'est... Bah après, c'est plus tard dans le jeu, hein, c'est pour vraiment bien avoir son jeu. C'est... Il y a un moment, je crois que c'est émission, mais là, comme si, faut avoir son jeu, tu n'as pas de soucis. Mais quand tu auras accès à ça,
si tu arrives à avoir accès à ça, quand tu auras accès à ça, ça tu peux le poster en coop. Moi, j'en ai fait qu'une en solo. Je me rappelle, c'était une où il fallait que tu avais une arme, tu avais une bombe. Une bombe qui se. Je crois qu'il fallait pas qu'elle se refroidisse. Parce que non, il fallait pas qu'elle se réchauffe. Sinon, boum. Et moi, j'avais la bombe dans les mains. J'avais tous ceux qui me tiraient dessus. Ils me tiraient tous dessus. Et en fait, il fallait se mettre sous un truc d'eau pour la refroidir. Pour éviter qu'elle chauffe, mais qu'elle chauffe trop. Et si elle chauffait trop, boum. Et moi, j'ai eu de la chance, j'ai aussi en solo. Hein. Pourtant, ça, il vaut mieux le faire à deux. Un qui prend la bombe et puis un qui tue les autres. Moi, j'ai fait en solo, j'ai réussi. Je sais pas comment, mais j'ai réussi. Et donc, si j'ai bonne mémoire, je crois que t'en as deux, trois comme ça. T'as deux, trois, quatre missions comme ça où il faut vraiment le faire à deux. Mais bon, en solo, c'est faisable. Moi je l'ai fait, en solo c'est faisable, c'est galère, mais c'est faisable. Je sais que sur cette île, il y a une zone où j'ai vu qu'il y avait des soldats, mais ils n'étaient pas de mon niveau. Est-ce que ça te dit d'aller faire un tour là-bas et voir si on peut libérer le camp à deux? Je sais pas, j'ai mis un marqueur sur la map, j'espère que c'est le bon endroit. Marqueur sur la map. Tu le vois pas? Attends. Si, je vois. 800 mètres. Attends, parce que je le vois sur le jeu, mais je le vois pas sur la carte. Ah oui, attends, si, je le vois. J'ai dit. Réserve de munitions. Et puis, dans le fond, on a de l'île, il y a... Alors attends, par contre, depuis cet endroit est fort gardé. Oui. Attends, il y a mon père qui vient de me dire qu'il y a du gâteau aux noisettes. Alors, je vois sur gâteau aux noisettes et j'en reviens. Je sais pas pour longtemps, j'en reviens. Récupère une part pour moi. Excellent. Est-ce que je peux rejoindre la ville? C'est bien. Sinon, on va devoir aller à l'artillerie. Piège rapide. Allez, on y va. Va. Oh, il y a un cheval qui m'attend. Pas beau pour elle. Demi-tour, cheval. Tu passes pas par là. Oh, la nuit qui tourne encore. Bon, attends. J'arrive. Oula, attends, parce que. Alors, tu peux le refaire parce que j'ai. Tu peux le refaire à ton avis parce que. Hein attends. Ouais. Refais le truc parce que là, t'es une winning. On te refait la photo. Que là, je. Oh mais t'inquiète, c'était juste se rendre mais, sur l'île. Alors par contre, là où tu veux qu'on aille, moi je veux bien, mais si on l'a déjà fait, parce qu'en fait, il y a un truc aussi, il faut que tu comprennes, faut que tu fais ça, c'est que ça là que tu fais, ils sont qu'on a déjà fait, ça. En fait, tous les points noirs, c'est tu qu'on est soit passé devant, ou ce qu'on a fait. D'accord. Toi, des pochards par exemple, je crois qu'on est passé devant. Donc ça, tu vois, tous les points, tous les espèces de petits points noirs, c'est les endroits où on a fait. Donc je pense que... On n'a pas besoin de... le refaire. Par contre,
Les choses, par contre, les choses qu'on n'a pas fait, ça apparaît, bah, comme là, tu vois, sur la carte, là, t'as, si t'as anti-aérien, c'est en rouge, donc ça, on l'a pas fait. Ok, bon, autant pour moi. On va se diriger vers la mission. Ouais. Parce qu'apparemment, il est pressé, notre... Il est pressé. Ça. Et c'est à moi ? Ça va, j'ai compris. Non, mais l'autre, il dit anti-aérien. Oui, apparemment, il est pressé, monsieur. Gâteau nous dit. Ok. Hé, hey Danny, scan ou anti-aérien, ça avance ? Je vous prends décoller avec un danger pareil. Ça va, j'ai compris. Je m'en charge. Ça, c'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Parfait. Ça, peut-être, c'est maintenant. Maintenant. J'ai pris de l'avance, mais. Ça va. Non, parce que là, maintenant il va falloir qu'on attend. Là, t'es en voiture, là, non ? Ah, ok. C'est vraiment très cool. Là, ouais. Que l'on puisse. Là, je te vois. Notre vie, chacun de notre côté. Oui, enfin, pas trop non plus. Pas trop non plus. Pas trop non plus, mais j'ai l'impression que c'est le périmètre est assez grand. Oui, par si contre, tu vas falloir sur mon véhicule. Oui, mais là, il va falloir que tu lâches ton véhicule et qu'on aille, qu'on trouve un bateau ou qu'on y aille à Anas. Ah, on va pousser. Puis aussi, de toute façon, non, attends, je raconte moi. Non, attends, en fait, attends. Attends, alors, attends, je suis dans mon véhicule. Attends, je t'attends. La musique elle mangeait, elle est de ouf. Ah si. Attends, je t'attends. Hop, attends, deux secondes. Hop, on tourne. Hop là, vas-y. Vas-y, Simon. Let's go. On va être sur mon kiki. Bon, ça va vous, monsieur ? Avec votre casque, vous avez pas trop chaud ? C'était énorme ton discours. Écoute-moi. Quoi qu'il arrive ensuite, je voulais te remercier. Pour tout ce que tu as fait pour Libertad et pour moi. Tu me remercieras quand on aura enfoncé le blocus de Castillo. On se reverra de l'autre côté, Danny. Ok, on file. Je savais pas qu'il y avait du rap, Cuba. Ouais, moi non plus. Oula. Oh oula. Eh ben donc. Bon voilà, comme ça on après, a pas on me dit... de notre arrivée. Après on me dit que moi je suis dans... Après on me dit que moi je suis dangereux. Ah bah putain. Ah bah non. Tiens, regarde comment ils fonctionnent les types de double. J'ai pas trouvé le frein à main. Eh, regarde. Mais non. Eh bien. L'artifice, mon gars. Attends, c'est quoi ? T'as quand même eu... Hey, hop, dégage, toi. Hop là, voilà. C'est fait. Hop, voilà. Mais et puis, il se passait rien. Quoi ? Comment ça se fait ? Ah bah, moi, je perds pas de temps, hein. Il se passe rien, hein. Mais non, mais c'est pas possible. Eh si. Ouais, eh si. Il se passe... Bah, il fallait détruire. C'est vrai, hey, Juan, plus de canons anti-aérien. Le ciel est à toi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Du moment que tu protèges mes arrières. Et par contre, là, c'est des sacs à PV, hein, les amis. Non, non. Toi, tu appelles pas tes potes. S'il te plaît. Ouais, moi, je. J'assure mes arrières. Oula. J'assure rien du tout, ouais. Attention aux sangliers. Pourquoi il est aux sangliers ? Ouais, je sais pas trop ce qu'il a dit. J'ai entendu la même chose que toi. C'est pas trop un sanglier avec nous. Hop, on recharge.
petite radio, ça fait peur. Éteindre la radio. Ça va. Elle était juste là, le... Voilà. Il y a des documents. On s'en fout. Passons. Ok, je m'attendais à plus de résistance. Oh, il y a du monde là. Ah, c'est moi, c'est moi. Oh, c'est toi qui as amené des renforts? Non, c'est moi qui ai tiré sur la radio. Non, mais... J'aimais pas la musique qui a passé. Marre de ces conneries. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Bah ouais. Hein. On va par où maintenant? De l'autre côté. Bah maintenant, on va là-bas. Mais non, c'est 500 mètres. Allez alors. Demi-tour. Ouais. Bon, par contre, si ça te fait rien, après, moi, je vais aller faire mon petit tour. Hein. Ouais, je vois que le temps il passe vite et ouais. Il se trouve déjà 4 heures. Ouais. Et bah, j'ai justement te dire que. Bah, c'est bien, on a fait un petit tour de. C'est bien. Bien sûr. Ouais. Demain on fait pareil ou pas? Oui, si ça ouais. Te convient parce que. Ouais, bon, bah, tu me dis, tu. Les choses. Demain j'imagine c'est bon, mais c'est après-demain ou ça risque d'être. Je sais pas date. Oui, ça va être compliqué là, l'approche des. Voilà. Demain pendant tant que tu peux le faire on le fait et puis après-demain ça va. Lundi j'imagine que c'est la veille donc tu vas peut-être pas en état ou peut-être pas en bien plus de. Mais mardi, parce que moi je reprends ma formation mardi. Enfin je retourne un point fort là-bas à mes gènes. Je reprends mon poney. Voilà. Ok. Mercredi jusqu'au moins facilement jusqu'au 12 janvier encore 15 jours là-bas à Pointfort, je vais passer leur clé à la noix là. Claire que je vais certainement pas réussir. Voilà. Voilà donc. C'est fini les vacances. Bah j'en profite, hein. J'ai encore jusqu'à mardi prochain, donc c'est bon. En plus ça je suis enrhumé donc. Oui, mais il est pas encore. C'est un gros. Il n'y a aucun moyen de changer le cycle de la météo jour-nuit. Je sais pas. Je sais que sur Assassin's Creed, tu pouvais méditer. C'était possible, puis, oui. Tu pouvais méditer et puis tout le temps est passé. Mais... Sur Mirage, sur Assassin's Creed Mirage, je crois que. Lara, près des navires de Castillo. Je crois que Assassin's Creed Mirage, tu peux, il me semble, tu t'assois sur un banc et puis tu t'assois sur un banc, ça, et puis ouais, plus on avance. On s'empare de ces navires et on effectue une percée jusqu'à notre île. Non, t'inquiète. On n'aura pas de deuxième chance. J'en demande trop, sûrement. Non, mais... Ah, une nouvelle arme, disposition. Ah non, je dis juste ce que je me souviens. Ah oui, ça, on l'a fait avec Hans. Ah, ça te rappelle des souvenirs. Ah oui, ça. En plus, c'est la musique qui va avec. Tu curais les médicaments. En plus, c'est la musique qui va avec, en plus. Ouais. C'est long ou pas? T'as juste à. En fait, faut dégommer les soldats des bateaux. Une fois que tu l'as fait, je crois que t'as les avions qui de notre camp à nous qui se posent sous. Et puis après, en fait, tu vas sur la soleil qui est en face là-bas. Après, bon, il t'explique comme ça vite fait que t'as trois familles là-bas. T'as trois gangs, enfin, trois machins. Ils sont tous contre Cassio, comme toi. Et en fait, ils t'expliquent qu'il faut que tu sois bien avec eux pour les filer un coup de main, pour leur filer un coup de main. C'est quasi haut, quoi. Par contre, je vais
Je vais écourter un petit peu la partie parce qu'il y a ma chérie qui vient de rentrer du travail. Ah. Bah, dis à ta chérie, c'est pas autant, c'est... Ouais, ça m'y met pas. Ça m'y met pas. Bah, dis à ta chérie qu'on en a même pas pour 5 minutes, hein, alors... On dégomme les mecs, on dégomme tous les soldats du bateau, tac tac tac, terminé, puis hop, fini. On s'amuse, allez, 5-10 minutes, allez. 10 minutes c'est fini, alors en 10 minutes c'est fini. 5 après, minutes, hein. 5 minutes, grand max, allez, 5 minutes, grand max. Après, allez. On va faire les courses. Ah. À 5 minutes, on a, en 5 minutes c'est fini. En 5 minutes c'est hop. Ah, par contre, tu fais comme moi, saute parachute B. Surtout, tu appuies sur A, tu fais B. Danny. Sers-toi de ta caméra c'est pour contrôler les défenses de ces navires. A et B. A et B. Ah oui, deux. Avant de sauter. Hop, voilà. Bon là, malheureusement, avec Alan, même moi, j'ai jamais réussi à atterrir sur le bateau. Oui, mais là, alors, j'essaie, mais c'est pas... Non, mais t'y arriveras pas, Ou alors, peut-être te mettre en habitude, mais... Allez, hey. Ça va la belle mission en plus. Ça va la musique de la guérilla. Clara, tu es à bord. C'est pas alors. Bon, Danny. Détruis ces navires et n'hésite surtout pas à tourner leurs armes contre eux. Les tourelles s'envoient du pâté. Oh non. Hey, oh, attends, je suis pas encore monté dans le bateau. C'est pas grave. Compris, Julio. T'as une musique là? T'as une musique là? Gracias, Raisa. T'as plein de cibles à éliminer, roi. Accident. Là, on sent. Il y a un cap de franchi là au niveau de. Bien joué, qui c'est qui a tiré là? Oula, il y a des copains qui débarquent là, non? Ah ouais. Il y a deux bateaux. Bah, pas la musique? T'as la musique. Ah bon? Moi j'ai une musique suspense, mais. J'adore la musique. Ah, on est pas sur le même bateau, chef. Bah, arrête dans le bateau, t'es. Je pense que les premiers, moi. Ils mettent le paquet pour te faire la peau. Ils ont la trouille. On dirait pas comme ça. Allez, c'est fini. J'enchaîne les victimes, Danny. Suis la cadence. Tâche de me garder en vie, déjà. T'inquiète pas, je te suis. Fais gaffe où tu tires, Danny. Tu dégommes nos alliés, là. C'est bon pour le premier bateau. Le deuxième t'attend. À t'entendre, ça a l'air facile, Juan. Je suis un peu occupé là, Clara. Oui, les laisse pas respirer, on les aura à l'usure. Sur ça. Allez, allez. Suspense. Sur ton bateau. Ça explose.
qui explose quoi, mais... Fumier. Sale ordure. Ça arrive. Ah, c'est bon. Allez, venez, bande de fumier. Bordel. Venez prendre tout dégonflé. Ah, c'est bon. Je vais appeler Pigny. C'est fini, Clara. Et Pigny. Fichons le camp d'ici. On n'y serait jamais arrivé sans toi, Danny. Ouais, c'est bon. Et bon. Bah. Je vais rester et poser des explosifs pour m'assurer que ces bateaux partent en fumée. Appelle quand ce sera fait, Rulio. C'est compris. Danny, j'arrive pour te récupérer. Et bah. Ouh. Arrive là et puis on se barre. Est-ce que t'es Clara? Enfin, normalement. Je finis ça et. Hugo. Ouais, vas-y, vas-y. Elle arrive là. Elle arrive là. Oh. Et bah. Hop là. Joli. Ouais, c'est vite. Viva Libertad, Dani. Ouais. Ouf, oh, c'est génial. Voilà. Ça, c'était du feu d'artifice. Je dois bien l'admettre, Clara. T'as réussi. Nous avons réussi, Danny. Ça fait toute la différence. C'est quoi ton plan? Ça, c'est fait. Mon ami Alejo et moi, on devait faire des petits boulots pourris pour gagner un peu d'argent. Et puis ouvrir un garage. Si le blocus américain nous a appris quelque chose... C'est à nous débrouiller, même avec rien. C'est ça ton rêve? C'est vrai. Les Yankees te paieront peut-être pour garer leur voiture ou cueillir leur fruit. Mais tu ne seras jamais l'un d'eux. Le rêve américain n'est pas dans notre couleur. Rêve américain. Si on critique les rêves, qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes, Presidente Garcia? Je donne pas 6 mois au prochain président avant d'être assassiné. Quoi? C'est la vérité. Les élections libres sont pas censées régler ça? Qu'est-ce qui est arrivé à ta liste? C'est un projet, Danny. Mais je ne suis pas aussi naïf que tu crois. J'ai traité un Américain de Yunki, je sais pas comment dire. C'est pas bon, c'est pas bien non plus, hein. C'est moche. Hein. Clan, seigneur de guerre, coup d'état soutenu par l'étranger et j'en passe. Les Yaran s'entretueront pendant une génération. Ce combat m'occupera pour le restant de mes jours. Yara est coincée dans un cycle de tyrannie et de révolution. À moi de montrer comment les essayer. C'est pas un rêve en fait. C'est un devoir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Personne ne choisirait ça. Si, Danny. Tous ceux qui me suivent et qui rejoignent Libertad ont choisi ça. Mais tu sais, je te vois bien réapprovisionner les rayons d'un hypermarché américain. Ta gueule. Non, non, je dis juste que tu serais canon avec ça, c'est un uniforme, un badge et un joli tablier. Arrête un peu de fantasmer, Clara. Quand tu vois le Cuba du jeu, et le Cuba réel, ça. Il n'y a pas vraiment de différence. Les guerriers préférés. Mon île me manquait. Ce soir, on fait la. Regarde ce qui se passe en Argentine. En Argentine. Avec le président. Pas de nouvelles de Julio. Qu'est-ce qui se passe? Lui, quand il fait. Quand les mecs manifestent, ils disent c'est une balle. Ou une balle ou en prison. Donc exactement. Ça ne t'arrange pas, hein. Ça ne t'arrange pas. Tu auras tous ces putains de vrais Yaran. Traître, criminel. Ouais, ça va, ça va. Ordure. Julio, il est là. Fils, la différence entre un vrai Yaran et un faux Yaran peut être dure à voir, mais... elle existe. Un vrai Yaran sait très bien que la loyauté envers son pays est la clé de la survie. Pas la justice, ni l'amour. Pas même la famille. La loyauté est un projet qui dépasse de loin l'individu. Espèce de sale merde. Le faux Yaran aime être un paria. Seules ses perversions le préoccupent. Le chaos, les mensonges, comme un chien errant.
et un chien peut être dressé pour servir au paradis. Et si un chien refuse d'être obéissant, à l'instar de Julio ici, à l'instar de Clara Garcia et de Libertad, c'est dommage, mais il faut l'abattre. Rigole pas, oui. Papa, j'ai compris ce que tu dis. Alors, mais il va pas faire ça à son à fils, quoi. La voie vers le paradis est semée de désagréments, je le sais, fils. Mon Dieu. Mais quand notre projet sera accompli, je te le promets, il n'y aura plus jamais d'amertume. J'arrive, Lita. Comment peut-on ? C'est qu'un enfant. Bien. Dans ce cas, savoure le spectacle. Ah, ils vont le faire souffrir. Ouais. Les enfoirés. C'est qu'un jeune. C'est bien réel. Je dis qu'il se passe pas réellement ça à Cuba. Réel, je parle. C'était Julio. Il est mort. Il a rejoint Lita au paradis. J'honore mes promesses, Danny. Tu veux un bateau ? T'as un bateau. Fais vraiment un rafio de merde, mais t'arriveras sur une plage américaine. Une avec des gros, tous à poil. Vous allez me laisser partir ? Mon cul. Ça fait un bail que t'aurais pu nous trahir. Est-ce pas ça, Cuba ? T'es mon meilleur guerrier. Je te promets pas la victoire et je te promets pas qu'on va survivre. Mais ce que je peux te promettre, c'est ça. T'as une sacrée chance. Ça porte bonheur ? Des fois oui, des fois non. C'est long. Oui, apparemment, il y a une fin facultative. Là, si... apparemment, si tu retournes sur le bateau, t'as accès à une fin supplémentaire. Merde. Il paraît que ce putain de bateau aura coulé d'ici Miami. Ouais, écoute, si tu dois faire les courses, apparemment, tu dois faire les courses. Ouais. Je vais en antenne là tranquillement. Oh, y a le crocodile qui nous suit à la nage. Bah écoute, moi je vais rater aussi moi. Et ouais. Puis bah écoute, si demain même heure. Si demain même heure. Oui, si ça peut, il n'y a pas de changement. Voilà, il n'y a pas de changement. Et voilà. On se dit de même humeur et puis hop, je quitte la décision. Puis voilà. Entendu. Bon, allez. Merci encore. Pas de rien. Puis demain, on va dire un petit peu. Comment on fait l'affaire. Bon, allez. Bonjour madame, en fait. Hein. Bonjour madame. Ça marche. Et puis voilà. Hey, moi je vais faire mon petit tour. Tac. Et moi, je vais conduire le bateau qui me mène en Amérique. Et voilà. Non, pas trop, non. Moi, j'ai fait demi-tour, moi, mon gars. Tu vas pas me déplaire, mec. Tu vas pas me déplaire, mec. Bon, allez. À une prochaine, Genesis. Puis, voilà. Hey, bonne course, hein. Puis, voilà. Hey. À très vite. Très vite. Bye. 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 Hey. Hey, hop. Tac, hey. Là, je m'amuse à comme tour. Hey. Tac. Hey.